Coucou tout le monde, nouvelle journée. Papa, je vais mieux qu'hier, même si je suis encore un peu patraque. Papa, je vais... Oui mon chéri. Quoi? Bon, nouvelle journée. Alors aujourd'hui, alors déjà, on commence la journée avec... Oui. La nouvelle, j'ai plus de stock en de son meuble. Toutes mes pochettes ont été vendues. Papa. Oui. D'accord. Papa. Ok. Papa. Je sais pas ce qu'il raconte. Allez, je me lève, mon chat. Lâche-moi. Papa. Donc toutes mes pochettes ont été vendues. Donc je vais tout faire partir demain ou plus tard. Là, il faut que j'aille à Action dans la fin de la matinée pour acheter des enveloppes. Blonde que je suis, je n'avais pas prévu assez d'enveloppes. Voilà, donc je vais aller chercher des enveloppes pour les envois. Et demain, je vais tout faire partir. Oui, mon cœur, 2 minutes. Voilà, sur ce, bah, j'attaque la journée. Katel n'a pas école aujourd'hui parce qu'on a la grève. Il y a la grève à l'école, la maîtresse fait grève, donc pas d'école. Donc j'ai les deux loulous. Et là, elle dort encore. Il est quelle heure? Il est 8h53. C'est vrai que d'habitude, en semaine, je la lève à 7h30. Donc mademoiselle avait besoin de dormir. Voilà, donc elle dort encore. Ah oui, j'attends. En fait, on pourrait y aller rapidement à Action. Sauf que j'attends un panier qui toque. Je vais recevoir un panier qui toque et j'ai eu un message comme quoi ils vont passer avant 10h30. Donc on ira juste après. Les enfants sont prêts, je serai prête. Et comme ça, direct, on sauve et on va à Action chercher ce dont j'ai besoin. Voilà. Ça y est, 9h et mademoiselle est réveillée. T'as bien dormi, mon cœur? Ça fait du bien. Ouais, une journée de vacances dans la semaine. Non, c'est vrai. T'as pas fait de comédie hier soir pour le coucher. C'est bien. C'est plus agréable quand même, non? Oui. Oui, hein. Demain aussi. Non, ce soir, déjà. Ce soir d'abord, hein. Katel fait sa toque en box du mois. Donc là, c'est un attrape-rêve. Donc elle est en train de peindre l'attrape-rêve. Et après, on va laisser sécher, parce qu'il faut laisser sécher. Et après, on fera la suite. Ça y est, j'ai reçu mon colis Kitok, sacré paquet hein. Donc là je vais le ranger. Et en fait le principe de Kitok, c'est que tu reçois un panier avec tout ce qu'il faut dedans, avec plusieurs recettes pour manger je crois 4 ou 5 jours. Il y a 4 ou 5 repas dedans. Voilà, donc ça va nous faire ça. Et je crois que c'était le panier famille que j'ai pris, de mémoire. Donc vous voyez Katel à côté, il est gros le carton. Donc là on va ranger et après on va à Action. Donc voilà, allez, c'est balèze, hein. Balèze. Je pense qu'on va même avoir à manger pour plus que poisson. Donc ça a été livré par Chronopost en colis réfrigéré. Hop. Et les fruits et légumes. Voilà. Bon allez, je vais ranger. Et au programme donc de cette semaine, on va avoir du poisson blanc sauce saté, pilon de poulet grillé à la moutarde. Non, attendez. Non, on n'a pas ça parce que celui-là, j'ai pas vu de poulet. Donc, poisson sauce, c'est ceux où il y a les fourchettes. Alors, poisson blanc sauce saté, crépinette de porc au pruneau, les soupes à l'indienne et nans au fromage. Voilà, donc on va goûter ça, on verra bien. Hein. C'est pas forcément des plats qui m'inspirent. Vous voyez, mais bon, on verra ce que ça donne. Ça y est, on est rentré d'Action et on s'est passé à Lidl au passage parce qu'en fait hier j'avais repéré des petites robes pour Katel. Regardez, donc je lui ai pris celle-ci. C'est elle qui a choisi, moi j'en ai montré que j'aimais bien et elle a choisi. Celle-ci et celle-ci, elles étaient à 6,99€. Voilà. Et le reste c'était chez Action, je vous montre. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent pour ma chienne. Pareil, je vous mettrai les prix, vous aurez les prix par là. Donc un calendrier de l'Avent pour ma chienne. Franchement, je trouvais ça trop fun. Ça j'avais envie de goûter depuis un petit moment. J'ai pris pour mes enveloppes, pour mes envois prochains dans la boutique des washing tape de Noël. Bon, excusez-moi, j'ai eu un volage d'assiettes. J'ai pris aussi un tampon au creur comme ça. Thank you so much. Ça, c'est peut-être parce que j'ai une petite idée d'activité en tête. Donc, on va voir si je peux la réaliser, ce que j'ai en tête. Ou sinon, bah, ça sera tout pour nous. C'est toujours utile. Un petit sapin à peindre qui apparemment a des LED.
des bonbons pour mettre dans mes enveloppes, dans mes paquets de la boutique. J'ai pris des petits biscuits pour ma chienne. J'ai fait le plein d'enveloppes. Qu'a-t-elle ramène ce qu'on a oublié de montrer. Donc elle a une petite poupée comme sa réponse à colorier. Ça c'est pour notre chienne. Et je nous ai trouvé des pulls de Noël. Alors pour Kat et moi, et Chris il n'y avait pas sa taille. Donc j'ai pris celui-ci pour moi. Et pour Katel, c'est celui-là. Voilà. Ça y est, on a fini la trappe-rêve. Alors, on va l'accrocher. Regarde là. Ici. Super. Regardez. Waouh. Si ça vous intéresse cette box, sachez que vous avez mon lien de parrainage, mon code parrain, qui vous permet d'avoir. Non, mais si, regarde. En fait, vous avez le lien en barre d'infos et vous avez mon code parrain qui permet d'avoir votre première box à 1,49€. En fait, juste le prix des frais de port. Voilà. On est en train de s'installer avec Kat. On va se faire un petit film toutes les deux là en même temps. Enfin, une petite sieste, un petit coton de repos avant d'attaquer les emballages. Je me lance dans les pochettes, dans mes emballages. C'est parti. C'est dans ces moments-là où tu te dis que ton adresse postale à rallonge est juste relou à écrire. Je pense que je vais très très vite investir dans un tampon avec mon adresse dessus parce que voilà comment c'est relou à écrire. Bon, j'ai mon site qui a bugué tout à l'heure. Du moins, hier, en passant, quand il y a eu les commandes de passer, il y a dû y avoir des commandes passées en même temps. Ce qui fait que ça a bugué sur les stocks. Et j'ai deux pochettes qui ont été vendues en plus alors que je les avais pas en stock. Donc voilà, je suis, comme vous voyez, en train de les faire. On va pouvoir les faire partir demain. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais piquer des pochettes de stock que j'avais des enfants pour pouvoir les mettre dedans. Parce que je n'ai pas envie de faire attendre 15 jours des personnes qui ont pris alors que c'était en stock. Donc voilà, donc là je fais les deux pochettes qui me manquent. La chance que j'ai, c'est que c'est des pochettes où j'avais le matériel, donc je peux le faire. Du moins, il manquait juste à la base les pochettes, mais bon, ça j'ai piqué dans celles de mes loulous. Donc voilà, mais ça fait un peu chier quand même. Donc là, boulot, boulot, je scratch. On va jouer au verger pour le jeu du soir. Elle a commencé à installer pendant que j'étais en train de découper. Achevez-moi. Je viens de remplir mon bean bag de billes de polystyrène. Et le carton était percé au fond. Voilà, voilà. C'est la merde. Coucou. Bon, fin de journée. Vous remarquerez que je filme très peu le soir une fois que les enfants sont couchés. Tout simplement parce que mon chéri est là et il n'a pas forcément envie d'être filmé. Donc comme on est que tous les deux, je filme très peu. Voilà. Là vous avez mon programme du soir. J'ai fait toutes mes enveloppes, j'ai fini en fait de timbrer et tous mes envois pour ma boutique. Donc demain tout part. Voilà. Et j'ai fini les deux buzzy bags qu'il y a eu en rab en fait. Avec le bug qu'il y a eu sur la boutique. Donc voilà, ça c'est fait. Et j'ai rempli mon bean bag. Vous le verrez demain en vidéo. Demain j'ai un shooting, nouveau-né qui vient. Non, nouveau-né, non, la puce elle a déjà un mois. Mais avec les vacances et des petits soucis, on a eu du mal à caler. Donc on va quand même faire des photos demain de la puce qui a eu un mois. Non, qui va avoir un mois le 19. Voilà, j'ai rempli mon bean bag, c'est un gros coussin pour les photos nouveau-nés, donc je suis très contente. Par contre j'en ai plein le salon, partout des billes de polystyrène. Et au moment où je vais pour aspirer, j'ai un Dyson sans fil, j'aspire et il aspire genre 30 secondes et il s'éteint. Putain, mais il était en charge, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah non, mon fils était passé par là, il avait débranché. Donc oui, il était pour moi en charge, mais comme il n'était pas branché, il chargeait pas. Donc là, bah, j'attends. J'attends qu'il charge pour pouvoir finir de ranger et d'aspirer. Je suis ravie, je suis ravie. Donc pour attendre, je vais monter ce vlog. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain.